Les grosses têtes, on va beaucoup moins de la comtesse pour savoir ces déguisements, elle est trop savoureuse. Elle allait avec son fils. Merci, François. Une radio locale du Mans. Il y a Stevie qui arrive. Titoff, un mot sur la disparition de Slim. Que reste-t-il de Slim, selon vous? C'est vrai que, en même temps, à quelques semaines près de la mort de Michael Jackson, il y a un côté où plein de souvenirs, on va dire, d'enfance, qui vont, je ne sais pas pour faire une vanne, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été omniprésent durant toute ma vie en fait, et toute la vie de, je pense, de plein de gens de ma génération. On l'a vu faire le pitre à la télévision, le spectacle, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine, on l'a vu en plus il n'y a pas très longtemps au téléphone dans l'émission en télé où on avait beaucoup regardé beaucoup du monde jusqu'à ces derniers jours. Et bon, voilà. Salut Daniel. Sa mémoire et à toute sa famille. Un grand comique nous quitte. C'était un grand comique, c'est un grand personnage. Je ne l'ai pas connu, mais de ce que je connaissais, puis surtout toute une époque. Voilà, de toute une génération et toute une époque, bon souvenir. Merci Titoff. S'il vous plaît, juste, bonjour, est-ce que je peux avoir une petite réaction par rapport à la mort de Slim? La mort de Slim. Ah, j'étais pas au courant. Ouais. Désolé. Juste une petite réaction. Qu'est-ce que ça représente? Mes condoléances, en tout cas, à sa famille. Ah ben merci, ouais. Merci, c'est gentil. Merci. Il a parlé de Slim, c'est ça? Oui, mais... Slim a la foule. Mais je suis sur Rudy. On leur en va, on est parti. Il a pas voulu répondre. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous arrive souvent que les gens à qui vous posez une question veulent pas vous répondre, ou non, c'est... Non, ils sont tous sympas, vous avez vu... Vous avez vu... Vous êtes un peu déçu, là? Non, pas déçu, parce qu'il a un taxi et tout. Ouais. Je suis pas forcément déçu, quoi, donc... Mais vous attendiez à ce qu'il vous... Non, qu'il vous dise un petit mot, quand même? Ouais, non, mais bon... oui et non, quoi. Oui et non, quoi. C'est... Tant mieux pour... les gens que j'ai, je les félicite d'ailleurs, ouais. Et je leur dis bravo ouais. À ouais. Titoff, je dis bravo à Titoff, parce qu'il n'était pas obligé de me répondre. Bah oui. Ouais. Laurent Baffy, pareil. Laurent Baffy, il a répondu? Il m'a répondu super bien, quoi. Ouais. Voilà. Bravo à Laurent Baffy. Bravo à Laurent Baffy, bravo à Titoff, bravo à... Elsa Fayer. Elsa Fayer, voilà. Ouais. Bravo à tous les trois, quoi, parce que voilà, quoi, c'est pas évident. Ça fait plaisir. Bravo aussi à Claude Sarraute également. Parce Claude Sarraute, ah oui, j'étais là. Donc ouais. Voilà. Oui, qui vous a répondu tout de suite. Tout de suite, voilà quoi. D'accord. Pas grosse tête, voilà. Ouais. Des gens simples. Des simple. Gens humbles et simples. Voilà. Baffy, Claude Sarraute, Elsa Fayer, Titoff, des gens simples. Et humbles, qui vous ont fait plaisir. Que vous remerciez. Oui, que je remercie, voilà. Bien sûr. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Merci beaucoup.